Salut, un nouveau vlog, je viens de recevoir du matériel, donc on va le découvrir ensemble. Allez, déballage. Il y a l'Osmo Pocket Accessory de DJI qui coûte 25 euros. Je me suis recommandé l'Osmo Action qui a été corrigé, elle coûte 379 euros. Comme ça, je ferai un retest. Le Zhiyun Smooth 4 qui coûte 106 euros pour tester également avec mon smartphone en tant que stabilisateur. J'ai commandé également des filtres Freewell pour l'Osmo Action, des filtres ND. Alors le pack de 8 sur Amazon coûte 129 euros. Des filtres ND de Polar Pro pour l'Osmo Pocket. Le lot de 3 filtres est à 39 euros sur Amazon. L'Action Mount de Polar Pro pour l'Osmo Pocket. Alors spoiler alerte au déballage, je préfère quand même celui de Polar Pro. J'ai commandé des cartes de SanDisk qui font 128 Go pour pouvoir utiliser tout ce matériel, bien sûr. Il y a également l'enregistreur numérique Olympus LSP4 qui coûte 159 euros sur Amazon. Vous avez vu aussi qu'il y avait le moniteur PhilWorld F5 4K que je vais pouvoir brancher à mon reflex pour mieux contrôler la prise d'image. Il n'est pas très cher, il coûte 159 euros le kit Manfrotto BeFree Live avec sa tête vidéo. Alors il coûte 159 euros. Je me suis pris aussi le Twist Grip de Manfrotto. Ça coûte 34 euros. Ça permet d'utiliser un smartphone sur un trépied ou avec une poignée. Dans la vidéo de l'Osmo Action, je vous avais dit que je testerais la GoPro Hero 7. Donc j'ai commandé le GoPro Hero 7 Black Bundle. Il coûte 424 euros sur Amazon. Donc ça va me permettre de tester cette caméra et de vous dire ce que j'en pense. J'ai également commandé une triple prise Coltchou de Ulanzi pour pouvoir accrocher du matériel. Alors voilà, dans la vidéo, vous avez vu qu'il y a pas mal de matériel qui a été reçu. Il va falloir que je teste tout ça. Donc on va se revoir très rapidement pour un nouveau vlog pour que je vous donne mon avis. Bon, je vous ferai des unboxings indépendants pour le trépied, le Manfrotto, pour la GoPro Hero 7 Black Bundle. Et je vous ferai également mon retour d'expérience sur l'ensemble de ces produits dans de prochaines vidéos. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je teste du matériel en particulier, mettez-le dans les commentaires et je m'occuperai de tout ça. À bientôt. Merci.